On censure, et pour censurer, comment on fait? On commence par diaboliser ceux qui pensent autrement, et une fois qu'on les a diabolisés, on peut dire, c'est pas possible de les inviter. Et on ne les invite plus. Et donc, on a le ronron des grands médias publics et aussi, malheureusement, des grands médias des oligarques privés. C'est un ronron dans lequel il est très difficile de sortir. Et évidemment, la diabolisation a une double fonction. Elle a la fonction d'interdire à celui qui est diabolisé de parler, et elle a aussi pour fonction, c'est au moins aussi important, de dire à ceux qui ne sont pas diabolisés ou pas encore diabolisés, faites attention. Si vous sortez des clous, si vous débordez en dehors des canaux autorisés, alors vous serez diabolisé et vous disparaîtrez.